Salut à tous, c'est Eddy. Alors, aujourd'hui, que se passe-t-il en ce lundi? Eh bien, je vais vous le donner en mille, vous, vous en doutez, c'était marqué dans le titre. Je vous fais une formation complète ON1 Photoro. 2020. Voilà, ça c'est décidé, c'est fait. Voilà pourquoi j'ai pris cette décision, parce que bon, tout simplement, je vous avais annoncé que j'allais implémenter ce programme sur cette chaîne. Euh, là, vous voyez que je suis en train de vous faire au même moment où je vous parle, une même formation sur le minar 4. Et je me suis dit, bon ben, pendant que je suis dans ma foulée au niveau formation, je vais inclure la formation ON1 Photoro 2020. Voilà. Ça, c'est le petit truc euh, que vous devez savoir. Bon, sachez que... Je vais faire une formation, on va dire, assez globale à ma sauce, hein, comme, euh, comme on dit. C'est-à-dire que je vais la baser euh, sur la post-production créative, bien sûr. Sur une post-production aussi traditionnelle, bon, on, on pourra l'utiliser dans les deux cas. Mais je vais mettre l'accent sur la, la post-production créative parce que dans ON1 photo Home, nous avons beaucoup d'outils aussi qui nous permettent de travailler justement notre image de manière aussi poussée, de manière aussi différente. Il y a des choses très, très intéressantes dans ce programme. Et là, on va les décortiquer ensemble aujourd'hui nous allons nous attarder un petit peu sur la bibliothèque mais avant de nous attarder un petit peu sur cette bibliothèque là je tenais à vous annoncer aussi que je suis affilié également à ON1 Photoro 2020 sur leur programme vous pouvez aller télécharger le logiciel gratuitement via mon lien affilié qui est juste en dessous et vous avez une période d'essai je pense de je crois que c'est une trentaine de jours un truc comme ça et, et si vous voulez si vous désirez de l'acheter aussi via mes liens affiliés. Moi bien entendu je touche sur une petite commission ce qui me permet de vous ramener éventuellement aussi du contenu comme ceci. Mais j'ai réussi à avoir aussi un coupon code qui permet de vous avoir une petite réduction sympa aussi de 15%. Donc le coupon code c'est le l'habituel, hein, Edikinol, et vous avez une réduction de 15%. Ce sera bien entendu un coupon permanent. Donc euh, profitez-en. Hein. Si vous avez des gens qui veulent acheter ON1 One et avoir une réduction dessus, il est en dessous. Profitez-en. Euh, en contrepartie, donc on en revient un petit peu sur cette formation là que je, vais, que je vais faire là en ce moment. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec cette bibliothèque. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut importer nos photos à partir de, du module d'ON1. On va regarder un petit peu les petites options qu'on a dans cette bibliothèque. Et on va enchaîner tout de suite sur le module de développement. On va regarder ce qu'on peut faire dans ce module de développement. Parce que vous allez voir, il y a pas mal d'outils. Au niveau masquage aussi, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai regardé un petit peu en détail le logiciel au niveau du masquage et notamment les masques de luminosité. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. C'est une manière de travailler encore différente. Ouais, bien, une manière différente. Mais c'est un logiciel qui va bien se complémenter aussi sur la chaîne. Donc euh, je vais mettre l'accent sur ce logiciel-là, en même temps que Luminar 4. Ce sera deux logiciels, deux formats que vous allez trouver. En même temps que, bien sûr, je vous ai dit sur Topaz Studio. Topaz Studio, je vais reprendre aussi quelques petits tutos. Euh, mais là, pour le moment, ce sera les deux logiciels faire. Vous allez voir du Luminar 4 et également du ON1. Donc voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va rentrer dans la bibliothèque. Alors bibliothèque ici ce que j'ai fait là euh, j'avais pas de photos dans mon appareil euh, qui était directement sur carte euh, SD je me suis dit je vais prendre une clé USB comme ça je vais mettre 4-5 photos et je vais vous montrer un petit peu le procédé euh, que vous devez faire pour importer euh, des photos à partir de votre euh, d'une clé USB ou bien vous prendrez ça comme une carte SD. Mais avant toute chose Sachez que dans ON1, euh, si vous voulez aller voir dans vos dossiers, bon ici vous avez une commande les commandes locales qui sont ici, c'est vos dif différents euh, dossiers, tiens là c'est moi. <laughs> Donc euh, par exemple, vous allez ici, euh, bon je vais aller regarder un petit peu dans les files qui sont ici. Vous pouvez aller si vous voulez, euh, bon on va là-dessus par exemple, aller directement dans le menu d'édition, c'est ici, le menu de développement qui est ici, là, et vous pouvez déjà commencer à éditer votre image, vous voyez, sans passer par euh, l'indexation de, de catalogue. Mais nous on va passer par la, la méthode la plus classique. Donc euh, je veux dire par là par une méthode d'indexation. Là ici j'ai un premier dossier qui est ici que j'avais importé directement dans One One, qui a été indexé, et j'ai fait aussi également deux albums de Pendin où j'avais mis quelques photos dedans. Je vais vous montrer un petit peu la démarche à faire, si vous voulez, avec la clé USB, comme je vous ai dit il y a, il y a quelques minutes. Donc pour ce qui concerne la clé USB, bon ben je vais l'enclencher directement sur euh, mon ordi. Attends un peu, moi. voilà. La clé USB qui est juste ici. Vous allez ici dans Fichier, vous faites Exportation. Hop, voilà. Vous allez sélectionner la source. Donc ici, de Chose. Euh, vous allez sélectionner la source. Donc ici, bon, je vais prendre ma clé USB qui est là, avec ces images qui sont ici. Et je vais choisir Ouvrir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, euh, vous avez euh, plusieurs possibilités qui sont ici. Là, vous pouvez éjecter par exemple la clé USB quand, quand c'est fait. C'est indiqué. Hein. Donc euh, voilà. La destination, euh, c'est... on peut choisir l'emplacement euh, du dossier qui est ici, par exemple, juste comme ce, ceci. Ou bien vous pouvez aussi choisir un autre dossier aussi. Bon là, en l'occurrence, je vais le laisser dans, dans ce dossier qui est là. Je vais le laisser dans l'emplacement qui est là, mais je vais créer un nouveau dossier dans ce même emplacement-là. Et je vais mettre, euh, je ne sais pas moi. USB data, euh, enfin USB, je vais mettre USB tout simplement, USB edit, voilà, et ça va se copier là-dessus. Ici, bon, si vous voulez faire encore euh, une sauvegarde supplémentaire, vous pouvez le faire, choisir et sélectionner encore un autre endroit dans une partie de votre disque dur, et là, cette fois-ci, il sera sauvegardé dans, dans cette partie-là aussi de, de disque dur, voilà. Vous pouvez aussi également renommer avec un nom. Le nom actuel, voyez, enfin vous le laissez comme ceci ou bien avec un, un texte. Vous mettez un texte, un truc au, au hasard. Par exemple, je ne sais pas, moi, euh, 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 photo, voilà. Photo USB, voilà. Vous pouvez appuyer sur le petit plus et vous pouvez rajouter un numéro de série. Par exemple, on va commencer par le 001 comme ceci. Voilà. Vous pouvez rajouter des métadonnées. Bon là ici par exemple je n'ai pas de pré-réglage, je n'ai pas encore utilisé les métadonnées qui sont ici, on en viendra juste après. Hein. Vous pouvez ajouter aussi également des paramètres photo, c'est-à-dire là ici, vous aurez le petit onglet là, ajouter un pré-réglage qui est ici. Ce sont les pré-réglages que vous voyez sur le côté juste ici. là, Et vous pouvez rajouter un, un pré-réglage qui sera là. Vous pouvez aussi le modifier juste après, donc ce n'est pas euh, définitif, mais vous pouvez mettre déjà un pré-réglage qui soit fait. Donc, c'est possible aussi. Voilà, une espèce de preset. Hein. Vous pouvez aussi modifier la date de capture. Voilà, définir une date spécifique, ajuster le dos horaire et définir la date de création. Voilà. Bon, là. Et après, vous cliquez, euh, quand vous avez fini tout ça, vous cliquez sur le bouton importation. Voilà. Voilà, une fois que ça a été importé, vous voyez ici euh, au niveau de la clé USB, elle a été euh, éjectée. Donc hop, vous pouvez la débrancher directement du port USB de votre ordinateur, ou bien éventuellement carte SD. Ça a été mis directement aussi dans le dossier catalogué, ici. Donc vous pouvez aller sur le dossier catalogué et là. Vous voyez, USB et dit qui a été ajouté ici, le nouveau dossier comme on avait fait. Quand vous avez dans ce dossier-là, vous les voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cela eh Ben, c'est pas compliqué. Euh, on peut les mettre déjà dans un album. Ça sera un petit peu beaucoup plus simple. Donc, euh, je vais faire ça. Je vais les sélectionner. Vous voyez, vous pouvez cliquer la première image, vous appuyez sur Shift, vous allez sur la fin, tout est sélectionné comme ceci. C'est parfait. Et là vous pouvez faire un album par exemple avec le petit plus qui est ici, créer un album. Alors s'il vous plaît créer un nom pour l'album, là c'est très simple. Euh, on, va arrêter le, on va créer le nom de l'album par exemple, USB. Hein? Voilà. USB album. Et on va cliquer sur OK. Voilà. Et là, vous avez déjà votre album qui est ici. Voilà, une fois que l'album a été créé, vous pouvez faire glisser vos photos hop, dans l'USB album qui sera ici. Voilà, c'est parfait. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous trouvez vos photos. Ici, j'ai Pending 2, des photos que j'avais déjà importées. Ça reste là, et vous voyez, tout est fait. Donc, une fois que vous êtes ici, ce que vous pouvez faire, on peut rester en mode gris. Ici, on est en mode gris. Euh, vous pouvez appuyer sur le plus. Voilà, vous pouvez agrandir vos photos comme ça, vous voyez, au niveau de vos, vos vignettes, pardon, vos petites diapositives. Voilà. Vous pouvez passer en image seule en appuyant sur la barre d'espace. C'est les petites icônes que vous voyez juste ici. Hein. Après, en appuyant sur la touche F, vous avez le film strip. Vous voyez, juste un petit peu là, comme ça. D'ailleurs, je vais en revenir après sur le film strip. Vous pouvez appuyer aussi sur la touche C pour comparer le, des photos, c'est-à-dire, on va. Peut-être comparer celle-ci on va dire avec celle-là. Enfin, j'ai sélectionné trois photos. Bon, je vais revenir sur celle-ci. J'appuie sur la touche commande. Hop. Et là, cette fois-ci, vous voyez, j'ai ces deux photos-là avec lesquelles je peux faire une comparaison. Par exemple, je peux agrandir pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de mon image. Même bouger un petit peu là. Celle-ci, la même chose voilà on peut regarder un petit peu les zones de netteté, etc c'est vraiment un outil très intéressant voilà euh, petit truc sympa si vous retournez en film strip donc ici le, juste un petit peu comme ça bon, on va désactiver la on va désactiver cela si on revient en film strip bon hop je reviens ici voilà petit diaporama sur cette chose là vous pouvez aller dans photo. Et vous voyez ici, bon là je l'ai sélectionné par défaut parce que je l'utilise, vous pouvez laisser l'avance automatique, et là je sais pas si vous voyez, vous avez euh, les petites étoiles et vous avez aussi également là les couleurs, ça vous permet de donner une note, ça vous permet de donner une couleur, euh, faire pas mal de choses comme ça. Par exemple, si je vais mettre le 3 sur celle-ci, et eh bien sur le film strip, ça va avancer à l'image suivante. Ici je vais appuyer sur 4, mettre une 4 étoiles, ça va encore avancer sur la suivante, ainsi de suite, vous voyez, bon celle-ci je la trouve pas trop mal, je vais mettre 5, celle-ci je vais mettre 2, et celle-ci, bon je vois qu'il y a un petit potentiel aussi, bon je vais mettre 3, voilà. Comme ça, là c'est fait. Je vais repasser en mode gris, vous voyez, ça se passe vraiment relativement bien. Je peux toujours faire moins ou plus, vous voyez, pour un petit peu sélectionner ces choses-là. Ouais, plus simple, on va dire. Ensuite, vous avez aussi euh, la classification ici par date. Vous voyez, 2019, mai, août. Euh, vous avez euh, un petit peu les, les dates, par exemple, le mercredi, par laquelle ça a été shooté. Ici, le, vous avez cette date-là. Là, ici, c'était dimanche, c'était sur cette note-là. Voilà, un petit peu ici. Et là, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait sur le, sur le folder qui était là. Bon, maintenant, à savoir aussi, j'ai importé ce folder. Pour euh, importer un, un folder, un dossier, euh, pour le cataloguer dans ON1, vous pouvez faire le petit plus ou ajouter un dossier catalogué. Là, vous allez chercher comme je vous l'ai montré. Ou ici, vous faites dans, votre, euh, dans vos sélections ici de, euh, de commandes locales, vous allez directement sélectionner votre disque dur. Et vous allez sélectionner votre dossier, vous faites un clic droit, juste un petit peu comme ça. Et vous faites ajouter au dossier catalogué tout simplement. Et là vous voyez le catalogage d'un dossier permet d'effectuer une recherche, blablabla. Bla 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 bla. Bon, enfin soit. En gros, pour l'importation d'un dossier, pour le cataloguer, on va le mettre forcément dans le cache pour voir un petit peu les photos instantanément, comme ils vous le disent. Hein. Bon là ça prend, ils disent ça prend du temps. Enfin, je, je fais que relire bêtement, mais bon, c'est ça. Donc euh, là, vous sélectionnez la taille des aperçus, vous avez standard, moyen et minimal. Si vous avez vraiment une vieille machine, vous prenez minimal. Mais là, je sélectionne la, la, la version standard. Je ne pense pas que j'aurai de problème parce que j'ai essayé avec le dossier, ça fonctionne très bien. Et vous cliquez sur OK. Voilà. Vous voyez ici, l'importation se fait en arrière-plan, comme ils le disent. Hein. Et vous pouvez toujours aller travailler par exemple sur un autre dossier. Hein. C'est amplement possible. Hein. Vous allez cliquer par exemple sur une des photos qui est ici. Vous allez dans l'outil développement, et vous pouvez développer pendant qu'il fait l'importation. Vous voyez, on le voit ici en bas. Hein. Pas... Donc vous voyez, hein. là il a déjà même terminé l'importation, ce que quasiment, bon elle est juste là. Vous pouvez même regarder ce qui se passe dans le dossier là. Voilà. Voilà, c'est en train de se terminer quasiment. Ça, c'est les photos de Godzilla hein. vous les avez pas encore vues. Donc, il euh, y avait une petite vidéo que j'ai tournée aussi là-dessus. Vous voyez, un petit peu, il y avait des trucs assez sympas au niveau des nuages et tout. Donc là, ce que je peux faire aussi, c'est faire un nouveau euh, nouvel album. Bon, bien sûr, il faudra d'abord que je fasse ma petite sélection. Ici, je fais un petit album, le petit plus, etc. Bon, là, je vais revenir un petit peu sur une, une image euh, ici, euh, là, ou peut-être en pending 2. Voilà, on va les sélectionner peut-être cette image-là. Bon, vous voyez, bon, elle est là comme ça. Ici, vous avez la possibilité aussi de jouer avec, euh, comment dire ça, le, le, le petit onglet là, les, les filtres. Là, on va l'ouvrir ici. On va les activer et vous pouvez regarder un petit peu. Par exemple, le nombre de 5 étoiles. Est-ce que j'ai quelque chose à dedans Bon, là, il n'y a pas. Là, dans l'album-là, la, il y a. Par cas vous voyez. Ça, c'est 3 et plus. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. 2 et plus. 1 et plus. Vous avez aussi les, les, les favorites. Bon, là, euh, voilà. Les cataloguer. Toutes les photos qui sont cataloguées. Puis ici, vous avez aussi même le petit plus qu'il y a là. Voilà. Vous avez tous ces filtres-là. Capturer cette année, par exemple. Après-midi, voyez. Voilà. Les photos qui ont été capturées l'après-midi ça je trouve ça assez sympa euh, ta -ta -la -ta -ta. au soir et là il vous va, il va vous mettre toutes les photos qui ont été faites au soir et si on en reviendra un petit peu, c'est les trucs secondaires avec l'appareil connecté. Ça, c'est-à-dire que si vous connectez votre euh, appareil photo directement ici, vous pouvez avoir une prévisualisation directement dans l'interface. Ça, je regarde un petit peu plus le, le détail euh, au niveau de la formation. On en parlera un petit peu peut-être sur euh, sur la face et les petits trucs de détail aussi pour les photos de studio. Alors voilà, on en est arrivé là. Ensuite, vous avez donc euh, ce côté ici où vous avez différentes infos. Alors, la chose la, la plus intéressante aussi de ce, ce système de catalogage, comme vous voyez ici, vous avez les informations ici qui sont là, euh, Exif, hein, bon, ISO 64, 2 euh, secondes par exemple pour celle-ci, Bon, hein, je vous donne, F14, voilà. Ouais. Les paramètres appliqués, bon là apparemment il n'y a pas grand chose. Les paramètres appliqués, bon là vous voyez qu'il n'y a rien, voilà, c'est carrément neutre, hein. ouais, 0, 0. Et ici vous avez les métadonnées, voilà, ça c'est très intéressant les métadonnées, vous voyez que bon, euh, ici bon, j'ai. Vous avez hauteur, description. Vous pouvez rajouter quelque chose. Vous pouvez rajouter un mot clé ici. Euh, les mots clés, vous pouvez les mettre là. Vous pouvez un petit peu regarder au niveau de vos exifs, rectifier vos IPTC. Vous voyez juste ici. Vous avez ici cette petite chose là au niveau justement des mots clés. Vous pouvez par exemple, euh, hop, euh, par exemple, ajouter un mot clé. Vous allez ajouter par exemple le mot clé euh, nuit. Voilà. Ou bien plutôt euh, je vais mettre landscape un truc comme ça faites appliquer voilà et ici si cette photo là sera appliquée avec le comment dire ça avec le, le mot-clé landscape et vous pouvez même rajouter encore d'autres choses hein, euh, par exemple euh, je sais pas moi je vais rajouter encore un autre mot-clé ajouter un mot-clé euh, vous allez rajouter peut-être euh, coucher Ouais, de soleil, allez, hop. Bon, voilà. Dans le landscape, vous pouvez le mettre aussi à l'extérieur de landscape aussi, hein, euh, voilà. Et vous mettez par exemple golden hour. Hop, appliquer. Un autre, Et une autre chose qui s'est mise là, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, il euh, y a aussi la possibilité. Voilà, donc on, on, là on a rajouté ces deux choses là. Si vous allez sur l'autre image ici, ben, vous pouvez appliquer les mêmes, les mêmes choses, vous voyez. Et si par exemple, bon je vais me mettre ici, là, je vais faire une recherche, je vais taper golden, voilà, je vais mettre golden hour, je vais regarder un peu comme ça. Je vais tomber sur mes deux photos qui sont là, vous voyez voilà, c'est un petit peu le, le système des métadonnées d'ON1. De, de One. Vous avez aussi euh, une chose que vous pouvez faire, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, je vais prendre la petite clé USB justement. Vous avez l'onglet Préréglage qui est ici. Si vous voulez, par exemple, appliquer un preset, un préréglage, comme ils disent. Hein, les avez qui sont ici, vous pouvez l'appliquer directement sur une des photos. Par exemple, si vous voulez appliquer le VL11, bon allez hop, je l'applique. Et ça s'applique directement sur l'image, vous voyez. Si on passe en mode plein écran. Voilà, ce, ce preset s'est appliqué. Si je veux un petit peu réduire l'effet, regardez, voilà, hop, vous avez appliqué déjà quelque chose là. Maintenant, ce que je peux faire, bon, c'est effacer tout. Et si par exemple je veux appliquer un preset sur toutes ces images en même temps, je peux très bien le faire. Bon, je vais aller sélectionner un autre, euh, autre truc pour cette fois-ci. Par exemple, du color grade. Allez, on va les sélectionner là, par exemple ça. Hop. Vous voyez, il a appliqué ses faits, justement directement sur ces images, sur toutes les images. Si je fais un film sweep, vous allez voir ça en détail. Voilà, regardez. Voilà. Vous pouvez même effacer tout si vous enlevez, en vous essayer d'enlever euh, tous ces presets. Passer en mode gris, c'est plus facile. Hop, voilà. Effacer tout. Voilà, on en est revenu sur le point de départ. Voilà, juste un petit peu comme ça. On revient sur le catalogue comme ceci. Et ici, vous avez aussi tout euh, un autre truc aussi que j'ai oublié de vous montrer. Ça, juste là, c'est pour effacer la barre latérale. Vous voyez Regardez un petit peu de place. Ici, c'est si vous avez un deuxième écran. Vous, voyez, vous pouvez jouer sur un deuxième écran. Et là, sur ce deuxième écran là, vous pouvez jouer aussi sur un, la grille justement, qui est ici. Vous voyez donc vous mettez ce, cette fenêtre là sur le, le deuxième écran et vous pouvez jouer sur deux écrans. Ça va être pas mal en plus. Hein. Comme je suis seulement sur un seul écran, je vais rester comme ça. Donc euh, voilà, ici vous avez aussi vos préférences. Petite importance au niveau de vos préférences. Euh, faites attention, vous allez ici dans Fichier. Et Ayez ce petit truc euh, de, de mis aussi. Enfin, normalement, il est mis par défaut. Hein. Faux, sinon, vous risquerez d'avoir des surprises justement au niveau de vos éditions. Donc, reste appuyé, voilà. Bon, ici, plugin. Moi, je travaille en espace de couleur pour photos RVB, RGB. Hein, euh, et je laisse ça par défaut. Le reste, bon, j'ai pas touché. C'est par défaut. Hein. Voilà. J'ai mis ça sur OK. Voilà. Et ici, vous avez aussi, hop, ouvrir à la page d'aide qui est sur ON1. Donc voilà, on en arrive un petit peu à la fin de cette présentation de la bibliothèque. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser aussi, vous voyez des onglets qui sont là, euh, stockage en ligne par exemple un truc comme Google Drive, ça peut être bien aussi ça, mais là faut que je le reconfigure etc, bon, il y, y a des choses à faire aussi à ce niveau là, vous voyez, vous pouvez configurer un truc euh, Google Drive un, une Dropbox aussi, également aussi, voyez, on a parcouru euh, la, la bibliothèque d'ON1, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué au niveau d'utilisation donc en même temps je vais vous programmer euh, une formation euh, ON1 je pense cette semaine, une vidéo je vais à vous remercier vraiment euh, beaucoup euh, sur le soutien que vous ramenez à cette Chaîne. Merci par les likes, par vos commentaires, par vos suggestions, par l'achat des, des programmes par mes liens affiliés. Je vous rappelle que ON1, vous avez la possibilité de l'essayer gratuitement avec une version d'évaluation. Vous allez directement sur mon lien affilié qui est en dessous et vous pouvez le télécharger directement et vous entraîner dessus. C'est ça qui sera quand même bien. Je vais vous ramener quand même de la formation. Donc ça vous permettra de tester en même temps la formation en même temps que moi. Vous verrez, c'est un programme aussi assez sympa. Et par la même occasion, à la fin, si vous désirez l'acheter aussi, n'hésitez pas à passer par mes liens affiliés. Moi, ça me ramène une petite commission et ça me permet de vous ramener des formations et des vidéos comme, euh, comme on a l'habitude de faire aussi, des traitements. Euh, d'images, etc. Et on va aussi utiliser d'autres logiciels, bien entendu, de post-production comme on a l'habitude de faire. Donc, n'oubliez pas, vous avez aussi la réduction avec le coupon code EDIKINOL. Dès que vous passez par mon lien affilié et que vous arrivez sur le site Internet, si vous désirez acheter directement le logiciel, vous aurez une réduction de 15%. Ça, n'oubliez pas. C'est un petit truc sympa. Je suis donné en tout cas encore à vous remercier. Oui, je, je me répète un peu, mais c'est quand même grâce à vous que cette chaîne existe. Et vous me donnez vraiment la motivation pour continuer encore davantage. Là j'ai vraiment beaucoup d'idées, donc n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production créative, qui aiment bien les programmes on va dire de post-production comme celui-ci, etc. Ramenez-les sur la chaîne, ils ne seront pas déçus parce que j'ai beaucoup d'idées et on va pas s'en arrêter là. Je suis très motivé. Je vous remercie encore beaucoup. Allez, on se dit de toute façon à demain, parce qu'il y aura encore une nouvelle vidéo, vous vous doutez bien demain. Allez, c'était Eddy sur euh, ON1 Photoro 2020. Au revoir.